My child, I sent to school every single day, was sitting on top of a toxic dump. The chemicals were oozing to the surface, and my son was sick. I had a total of 11 miscarriages. 11 miscarriages. Mm-hmm. There's no family history of it. It definitely threw us for a loop. The homes around Love Canal, especially the homes that were rehabilitated, where people are living in them today, is probably one of the safest places on the planet to live. When I see children in this neighborhood playing, I become very upset because there are still 20,000 tons of chemicals buried under there. Bonjour. Bienvenue sur GeoSpoil, je m'appelle Gauthier Delplace et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la catastrophe du Love Canal. Notre histoire commence en 1894 lorsqu'un entrepreneur américain du nom de William Love envisage de produire de l'hydroélectricité à partir des rivières Niagara. Pour ce faire, il entame la construction du Love Canal. Mais son projet tombe à l'eau et le canal reste inachevé. Tombe à l'eau, canal... Long de 900 mètres, sur environ 25 de large et d'une profondeur comprise entre 2 et 5 mètres, le canal se remplit naturellement d'un peu d'eau et n'est utilisé qu'occasionnellement par les locaux pour se baigner. C'est au début des années 40 que notre histoire prend un tournant, lorsque le canal est racheté par la Hooker Chemical Company et devient alors une décharge pour ordures ménagères, mais surtout pour produits chimiques. Ainsi, entre 1942 et 1953, c'est près de 22 000 tonnes d'au moins 200 substances chimiques différentes qui seront rejetées dans le Love Canal. En 1953, le canal est rempli. Hooker décide donc de le recouvrir de sol et vend le terrain pour la somme symbolique de 1$ au Niagara Falls Board of Education qui décide l'année suivante d'y construire une école et des terrains de jeu. Monsieur Pipotin, bonjour. Vous êtes directeur du Niagara Falls Board of Education et vous allez donc construire une nouvelle école au-dessus de l'ancien Love Canal. Bonjour. Oui, c'est cela. La Hooker Company nous a très gentiment cédé ce terrain et nous allons pouvoir y installer un établissement plus que nécessaire pour éduquer nos chères têtes blondes. Et n'avez-vous pas peur d'exposer les enfants à la pollution qui pourrait émaner du canal? La pollution? Vous croyez à ça, vous? Enfin, ça n'existe pas. Par la suite, des habitations seront construites en bordure du canal. Entre 1953 et 1976, on recense quelques remontées sporadiques de produits chimiques, quelques odeurs étranges et des petits feux spontanés. Normal, quoi. Malheureusement, 1976 et 1977 seront deux années qui verront de fortes précipitations s'abattre sur la région. En conséquence, le niveau des eaux souterraines augmente. La zone à l'aplomb de l'ancien canal se transforme alors peu à peu en une sorte de marécage et de plus en plus d'habitants voient suinter chez eux des liquides, avec des drôles d'odeurs. Toujours en 1977, des ingénieurs de l'Agence pour la protection de l'environnement américaine sont dépêchés sur place pour étudier un potentiel rejet de la part de Hooker Chemical de Mirex, un insecticide dangereux interdit l'année précédente. Profitant de leur présence, l'administration locale exhorte les ingénieurs à aller jeter un œil aux remontées observées dans les jardins et les sous-sols des habitants vivant au-dessus du Love Canal. Les analyses sont formelles, il s'agit bien de produits chimiques, à des doses susceptibles de poser un danger pour la santé humaine. Monsieur Pipotin, il y a près de 25 ans, vous avez décidé de construire une école au-dessus de l'ancien Love Canal. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard des analyses qui viennent d'être faites, vous regrettez cette décision? Écoutez, moi, initialement, je voulais construire un parking, mais ça a été refusé, donc on a construit une école. Mais aujourd'hui, on sait que sous cette école dorment des tonnes de produits chimiques. N'avez-vous pas peur pour les enfants? Oh, les enfants, de mon temps, on ne se plaignait pas, hein. On filait droit. Si on continue de les couver, on va en faire des bons à rien. Et comment on va gagner les guerres après, hein? Au Vietnam, on a bien lâché de l'agent orange, et pour... Les habitants se mobilisent alors fortement pour qu'une solution soit trouvée. L'état d'urgence sanitaire est déclaré au niveau de la région en août 78.
L'État rachète les maisons les plus proches du canal, reloge les 239 familles concernées et ferme l'école. Dans la foulée, le président Jimmy Carter déclare un état d'urgence fédéral, permettant ainsi de lever des fonds pour remédier aux problèmes de pollution. Un peu plus tard, en 1980, 550 maisons supplémentaires sont rachetées, tandis que le Sénat adopte le Superfund Act. Alors, le Superfund Act, c'est quelque chose d'assez important aux États-Unis pour tout ce qui touche aux sites et sols pollués. C'est un programme chapeauté par l'EPA, donc l'Agence pour la protection de l'environnement américaine, qui vise à identifier les sites pollués, à chercher les responsables de la pollution et à les obliger à payer les réparations, même si à l'époque où ils ont pollué, bah, ils étaient en règle vis-à-vis de la loi. Si jamais les responsables sont pas retrouvés ou pas solvables, un fonds spécial, le Superfund, peut être utilisé. Donc ça reprend un principe important en droit de l'environnement qui est celui du pollueur-payeur. Donc le nom parle de lui-même, hein. C'est un principe qui avait déjà été adopté par l'OCDE en 72 et qui, pour info, a été adapté en Europe en 87 avec l'acte unique européen et traduit dans le droit français en 95 avec la loi Barnier. Donc le statut de site pollué est bien acté pour le Love Canal. Mais maintenant, il va falloir nettoyer le site, voir ce qu'il est possible d'en faire et déterminer si la santé des populations locales a été impactée. Bon, la première chose qui a été faite, c'est de sécuriser et nettoyer le site. Alors, il y a eu énormément de travaux qui sont étalés sur plusieurs années, donc je vais aller à l'essentiel. Entre octobre 78 et décembre 79, un système de récupération des lixivia a été construit. Alors, un lixivia, c'est juste un liquide résiduel qui provient de la percolation de l'eau à travers un matériau. En gros, dans le cas du Love Canal, on a pu avoir des remontées de déchets chimiques, des lixivia donc, parce que les eaux de pluie et les eaux souterraines ont pu être en contact avec la zone de stockage des déchets, et ensuite remonter vers la surface. L'idée du système de récupération, c'est de mettre en place deux tranchées, de part et d'autre de la zone, de sorte à récupérer tous les lixivia au même endroit, puis de les envoyer vers une station de traitement construite un peu plus loin. En 1984, le système est encore renforcé avec l'ajout d'une membrane en polyéthylène sur une surface de 16 hectares. Le but, c'est d'empêcher au maximum l'infiltration d'eau dans le stockage, ce qui diminue in fine la quantité de lixivia. Dans le même temps, les maisons les plus proches du site sont détruites, ainsi que l'école. Le site est surveillé 7 jours sur 7 via un réseau de plus de 200 puits, et en 2004, l'EPA retire Love Canal de sa liste des sites prioritaires. Donc voilà où on en est aujourd'hui, mais le gouvernement américain n'a pas attendu 2004 pour savoir quoi faire du site et des terrains acquis. Fin 1980, environ 6000 échantillons de sol et d'air ont été collectés puis analysés. En 88 sort ainsi une étude en 5 volumes pour un total de pratiquement 1000 pages dont l'objectif est de savoir si la zone est de nouveau habitable. Les scientifiques se sont concentrés sur certaines molécules particulières dont on sait qu'elles ont été rejetées par la Hooker Company. Pour avoir le détail des molécules, des seuils considérés et des résultats, je vous laisse faire pause sur ce petit tableau. Alors, pour la qualité de l'air intérieur des habitations, eh ben y a rien. Sur 562 habitations. Tant mieux. Dans les sols maintenant, bien qu'on ait détecté pratiquement pas de TCDD, une molécule de la famille des dioxines extrêmement toxique pour l'homme, la comparaison entre des sols prélevés autour du Love Canal et des sols prélevés dans des quartiers non impactés montre une chose, il y a bien des différences significatives dans les teneurs en certaines molécules chimiques. Suite à cette étude, et après concertation avec un comité d'experts, la décision est prise que la plupart des zones concernées par la catastrophe sont à nouveau aptes à être habitées, à condition de réhabiliter les habitations et de retirer les 15 premiers centimètres de sol. Reste maintenant une question, la remontée de produits chimiques a-t-elle eu un impact sur la santé des habitants du Love Canal ? En 1996 démarre une étude portant sur 6026 habitants suivis entre 78 et 82 par le New York State Department of Health. Parue en 2008, l'étude examine plusieurs facteurs comme la mortalité globale, l'incidence des cancers ou encore les malformations congénitales. Une petite note sur la méthodologie employée, notamment pour la comparaison, s'affiche maintenant. Les résultats montrent qu'il n'y a pas plus de mortalité ou plus de cancers à Love Canal qu'ailleurs. En revanche, une corrélation existe entre l'exposition estimée durant l'enfance
et le fait de donner naissance soit prématurément, soit un bébé de petit poids et ou de petite taille, ou soit avec des malformations congénitales. Dernier point, on observe une plus forte proportion de filles que de garçons. Et oui, comme pour la catastrophe de Seveso, où les habitants avaient été exposés à de la TCDD. Voilà donc pour l'histoire du Love Canal. Aujourd'hui, le site est surveillé et sous contrôle, mais son histoire aura considérablement marqué celle des États-Unis et permis d'avancer sur la gestion des sites pollués. Si vous avez aimé cet épisode, évidemment, lâchez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver une playlist avec d'autres épisodes portant sur des catastrophes. Allez, je vous dis à la prochaine, et ciao !